Hey, que mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et si vous aviez 30 minutes devant vous pour faire... pour un challenge, oui, seulement une demi-heure, et ben j'ai celui qu'il vous faut. Il s'appelle 30 minutes pour tout exaucer, et moi je l'avais renommé à tes souhaits. C'est déjà un challenge que j'ai déjà fait sur ma chaîne il y a... quoi, 3 ans peut-être, un truc comme ça. Il s'agit tout simplement de créer un Sims, de ne pas choisir ses traits et son aspiration. Il faut aller sur un générateur de traits, de caractère et aussi d'aspiration. Et ensuite, vous avez 30 minutes pour exaucer tous les souhaits de votre Sims. Les petits souhaits, c'est au-dessus, dans les petites bulles qui s'affichent au-dessus de lui, en bas de lui. Je vais donc vous présenter ma petite Sims avec qui on va jouer à ce petit challenge. Elle est là, elle est jolie, elle est pimpante, elle s'appelle Olga Wishes. Parce que des souhaits, hein. Et elle va nous accompagner aujourd'hui. Comme vous voyez, je n'ai mis aucun trait de caractère ni aucune inspiration, puisqu'on va les choisir au hasard sur un générateur. Nous sommes ici sur le site de James Turner qui a créé lui-même un générateur de traits et d'aspiration au hasard. Donc on va générer tout de suite ceux de notre petite Olga. Attention, suspense! Elle sera donc master maker, elle sera une muse, ah oui, donc elle devra fabriquer, elle sera pitre, soignée et écolo. Donc bah franchement c'est pas mal, c'est un bon tirage en vrai, c'est un super bon tirage, donc je vais lui appliquer tout de suite. Son aspiration, c'est en créativité, elle est créatrice magistrale et ses traits. Elle sera donc pitre, elle sera donc elle sera donc soignée également et hyper écolo. Voilà, waouh, et elle fait même pousser des plantes, c'est magnifique. Je vais l'installer dans son petit appartement à San Michino. Je me suis dit que c'était plus sympa d'être en ville pour avoir le plus possible d'action possible, voilà. La voici au pied de son appartement avec un certain Jackie, qui sera apparemment son magnifique voisin de palier. La chance Olga, je... vie. Son appartement, c'est celui-là. C'est un appartement que j'avais commencé à retaper et que j'en avais rien fait de spécial. Donc ouais, il est assez cute. J'avais complètement oublié à quel point il était mignon. C'est parti donc au moment où je mets sur play. Bon, j'ai déjà mis sur play parce que j'ai voulu faire une photo. Je me suis mis clic au niveau du bouton. Et on aura 30 minutes pour faire toutes les petites actions. Comme ici, vous pouvez voir déjà, par exemple, elle veut regarder la chaîne Humour à la télévision. Plus vous complétez de souhaits de ce type multipliés à des humeurs joyeuses, des humeurs positives, et bien plus vous ramènerez de points. De toute façon, vous avez toutes les règles dans la description ou en commentaire épinglé, et je vous invite aussi à le faire et à me dire combien vous avez eu de points. C'est parti, attention, on va démarrer. Hop, c'est bon, c'est parti, je mets sur play. Alors ma cocotte, oui, alors tu vas faire ce que tu veux réagir sûrement à la première neige parce que nous sommes en plein hiver. Tu vas regarder la chaîne Humour puisque c'est ton souhait. Alors viens ici regarder la chaîne Humour, voilà, premier souhait de réaliser. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre? Elle veut regarder la télévision communautaire, elle veut faire une bataille de boules de neige et elle veut appeler quelqu'un au téléphone. Tu ne connais personne donc ça va être compliqué. Regardez la télévision communautaire, vas-y, tu peux zapper. Elle est heureuse, ça fait déjà un bon point. Alors, valide-moi ça s'il te plaît, la chaîne communautaire. C'est bon, 25 points de plus. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre? Regardez Culture Monde, décidément, cette fille est une accro à la télévision. C'est ok pour Culture Monde. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre? Regardez la télé tout court, c'est magnifique, tu vas faire du zapping, tiens, maintenant. Voilà, c'est validé. Elle me régale. Elle me régale. Tu veux chercher des informations de vampires sur un ordinateur. Est-ce qu'on a un ordinateur? Non, on n'a pas d'ordinateur, ma cocotte. Ça va être compliqué. Si tu veux faire une bataille de boules de neige, il va falloir que tu descendes pour le faire. Donc, je t'invite à venir ici. Tu vas venir ici. Voilà. Tu vas faire connaissance avec cette jeune femme, par exemple. Et on va voir si elle veut être amie avec toi. Oh, ça commence pas bien. T'es blasé et c'est une émotion négative. Oh là 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 là, my god, non. Pourquoi vous faites ça? Ah, puis elle pète. Mais elle est dégueulasse, cette meuf. Allez, tu vas faire une bataille de boules de neige avec Nawaii Triton. Parce que de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Ça marche pas, c'est génial. Elle veut faire quoi? Elle veut aller au bar. Eh bien, nous allons aller au bar. Et c'est impossible car les voisins sont arrivés. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Et c'est Jackie, évidemment, qui vient
va accueillir ce cher Jackie. Jackie le dégueulasse est entré dans la place. Tu vas raconter une histoire drôle parce que tu es pitre et tu vas le remercier. Tu vas devoir le supporter comme voisin, mais bon, il est dans l'ambiance de Noël, hein, parce qu'il a un magnifique pull. Réellement, je vous le conseille. Bon, la voilà bien de nouveau. On va discuter avec lui, on va le remercier. Et on va peut-être lui raconter une autre blague parce que c'est une petite demoiselle très très rigolote, donc on va en profiter. C'est bon, elle rigole. Elle veut toujours faire une bataille de boules de neige et regarder les informations sur un ordinateur. Nous n'avons pas d'ordinateur. Oh, mais il est pitre aussi. Elle est heureuse. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, j'espère juste qu'elle voudra pas faire plus d'autres choses avec Jackie, parce que... Alors, elle veut envoyer un SMS de bonheur. On va en profiter tout de suite pour le faire. On va envoyer à... Ah, nous avons Thomas. On va lui envoyer un SMS de bonheur à Thomas. Ok, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Discuter avec quelqu'un. Tu vas discuter, hein. Avec Jackie qui est là, justement. Tu vas le complimenter, tiens, voilà. Ah oui, c'est bon ça, c'est bon. Bon, elle va commencer à avoir faim, il va falloir qu'on prévoie ça. Tu vas cuisiner des salades de jardin. Voilà, tu vas cuisiner ça. Parce que si elle a faim et qu'elle est mal à l'aise, eh bien ça fait encore une émotion négative. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Elle veut raconter une blague, il n'y a pas de problème. Hop, histoire drôle, raconter une histoire drôle. Elle va pouvoir raconter ça à Jackie, je pense qu'il va être heureux. Bon, ça n'a pas marché pour la blague, je vais recommencer. Raconter une blague sur les hommes politiques, vas-y. Oh non, elle a perdu son émotion heureuse. Elle est juste bien, c'est pas grave. Elle va aussi manger. Voilà, manger, après t'iras aux toilettes. Ça t'évitera d'être mal à l'aise. Et on est comme ça sur quelque chose de positif. Voilà, ok. Ça c'est bon, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire? Faire un bonhomme de neige et être amicale avec Jackie. Jackie, mon bon petit Jackie, on va être amicale avec toi. On va discuter, on va avoir une conversation profonde. Décidément, hein, Jackie, personnage emblématique de la chaîne. Oui, elle veut danser sur de la musique de Chenifi et donner la clé de l'appartement. Mon Dieu, c'est pas vrai. Donne la clé de l'appartement, mais alors quel enfer. Hein. Jackie, s'appelle Jackie toutes les 5 minutes. Quel enfer, je n'ai pas envie. Tu vas venir faire un bonhomme de neige avec Jackie. Ouais, vas-y, tant qu'à faire. En plus, voilà, ça lui fera des points. Alors, j'ai du mal à la montrer, mais ça y est, elle est en train de faire son bonhomme de neige. Pour l'instant, elle est plutôt bien, elle est joueuse, donc c'est encore une bonne émotion. Elle veut faire la connaissance de Jackie et elle veut aller au parc. Alors, si tu veux faire la connaissance de Jackie, il est juste là. Donc, tu vas pouvoir... Et puis, il pète aussi, c'est vraiment pas possible, ça. Et voilà, le bonhomme de neige, c'est fait. Elle va rentrer chez elle, elle commence à être fatiguée. Est-ce que tu peux maintenant discuter... Faire connaissance. Ah, ça y est, c'est bon, faire connaissance. Il a piégé les toilettes. Il est vraiment... C'est un saloperie. Et dire qu'il a les clés de l'appartement, il va tout le temps venir, quoi. Enfer. Youpi, il est crasseux. Avant d'être fatigué, tu vas aller dormir. Et en espérant que lui se barre aussi, hein, qu'il rentre chez lui. C'est le matin, elle est en train de se lever. Malheureusement, tu vas aller aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut? Salutations excentriques? T'es sérieux? Oh mon Dieu, je m'invite. Ne me faites pas attention à moi, nous sommes pratiquement amis, n'est-ce pas? Je suis le voisin d'elle, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les autres m'évitent. Moi, je le sais. Ah non! Mais à cause de lui, oh, elle a flingué et tout. Oh non, sérieux, sérieux. Elle est très mal à l'aise à cause de ce con de Jackie, là. Ah, j'en ai marre. Vas-y, on remplace. Ah non, mais je suis dégoûtée. C'est vraiment le pire voisin ever, quoi. La journée de coupure d'eau est désormais commencée fortement au plan d'action. Sérieux? Justement, elle voulait se laver? Oh non, c'est pas possible. Tu vas appeler quelqu'un au téléphone. Pas de souci, tu vas appeler Thomas. Voilà, va discuter avec lui. Tu veux être malicieuse? Très bien, tu vas être malicieuse. J'aime pas la malice, mais c'est comme ça. Tu vas mentir sur ta carrière à Jackie. Il le mérite, hein, après avoir pété tes chiottes. Elle veut maintenant raconter une blague. Donc, vu que Jackie est encore là, tu vas raconter une blague sur les Martiens. Voilà, voilà. Ok, elle veut regarder maintenant Culture Monde. Donc, ça va être bien. C'est que ça tourne toujours un peu au même rythme, hein, les trucs. Allez, c'est pas grave. T'écoutes pas ce qu'il raconte, tu regardes Culture Monde, s'il te plaît. Tu veux discuter avec quelqu'un? Décidément. Il s'en va. Bon, il a des trucs à faire, c'est pas plus mal. Je vais me débarrasser de lui, peut-être. Mais maintenant, il appelle. Je n'ai besoin de me lancer une fille, nouveau travail sera peut-être la solution. Oui, tente ta chance, ouais. Ouais, ouais, vas-y. Alors, elle veut donner la clé de l'appartement encore et discuter avec quelqu'un et faire une bataille de boules de neige. Ok, bon, pour ça, on va sortir. Faire une bataille de boules de neige, tu vas venir là, tout simplement, déjà. Tu vas essayer de te faire un ami. Voilà, regarde ces jolies demoiselles. Ah,
Ah, mais c'est notre ami de challenge. Du challenge, je ne sais plus ce que c'est, comment il s'appelle. Voilà, bonjour Nami, bonjour Madame Jenna aussi, qu'on y est. Hein. Faire connaissance avec les autres. Bon, elle est devenue aussi bien, donc il faudrait... Ah non ! Non ! La voile encore blessée ! Ah, mais quel enfer ! Mais non, mais fais connaissance, fais quelque chose. Oh là là, fais l'imbécile. Il faut que tu sois rigolo, rigolote, quoi, un petit peu, peut-être. Parce que là, blasé, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais non! Ah non, pas d'émotion négative! Mais c'est elle, elle est pas drôle, en fait. Ah, vas-y, tu lui parles pas. Parle qu'à un ami, elle est sympa. Qu'est-ce que tu veux? Construire avec des cubes, construit tout. Non, faire une bataille de boules de neige, oui. Tu peux, s'il te plaît, être drôle avec elle. Fais l'imbécile avec Nami, elle sera plus sympa. Et faire une bataille de boules de neige avec... ah bah voilà, avec Jackie. Jackie est là. Jackie est une valeur sûre, finalement. Faire une bataille de boules de neige avec Nami et Thomas. Allez, s'il te plaît. Je me suis trompée. Voilà, ils sont là. Ok, c'est bon, elle est joueuse. Yes, 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 yes. Bon, elle est plus joueuse, elle est juste bien. Elle veut donner la clé de l'appartement et être malicieuse. Ok, alors on va en profiter avec Thomas. Tu vas être malicieuse. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Ne sois pas trop stupide non plus, parce que sinon il va te détester. Tu vas raconter une histoire drôle. Moi, ça va, il est plutôt réceptif. Il est pitre aussi! Mais la vanne! Mais c'est beaucoup trop fort, ça! C'est génial! Tu racontes des vannes, et puis s'il te plaît, tu peux... il faut quand même que tu fasses connaissance un peu avec lui. Ah, elle veut re-regarder la télé? Oh là là! Mais donner la clé de l'appartement, il faut qu'elle le connaisse un peu plus pour ça. Ah, elle est de nouveau joueuse! Et ça, c'est très très bon, ça! Bah, tu vas... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas... Amical... Non, 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 non! Reviens ici, Jeannette! Tu vas discuter des centres d'intérêt. C'est Vaïssa. Super. C'est vraiment le challenge avec les sirènes, hein, je suis dans la même partie. Oh, magnifique tenue au demeurant, monsieur. Alors, elle veut aller au parc, elle veut regarder la télévision communautaire et elle veut donner la clé de l'appartement encore. Pff, mais pour l'instant, il faut qu'elle fasse connaissance avec des gens, en fait, et... C'est pas terrible, hein, là. Ah non! La fille avec qui elle parlait, elle est partie, mais non. Essaye de la rattraper et discuter un petit peu avec, parce qu'elle a l'air sympa. Elle est végétarienne, ok, très bien. Demande à Naya de faire le métier de ses rêves. Vas-y, vas-y. N'hésite pas, ma cocotte. Est-ce que tu peux lui donner... tu peux lui donner les clés, parce que là, on n'a pas avancé du tout. Oh non, 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 ça marche pas. C'est un sujet à propos de la comédie. Comment s'est passée la journée? Oh là là, elle va partir. Ah non, 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 il faut que tu restes avec nous, là. Il faut que je surveille aussi ces trucs, parce que si elle s'est mal à l'aise, c'est mal barré. Tu vas raconter une histoire délicieuse. Mais on n'est pas encore très potes avec elle, mais... Je vais essayer de charbonner pour qu'elle puisse lui filer les clés. Je vais l'emmener à la maison. Peut-être que c'est ça aussi, que si on peut donner les clés d'appartement, que si on discute à la maison. Donc je vais l'emmener. Elles vont venir discuter dans le salon et peut-être que ça va fonctionner. Ah, merde. Alors par contre, il y a ça. Je le vire avant qu'elle se sente mal à l'aise, quoi. Bon, eh ben, elle n'a pas suivi la petite Inaya. On peut pas se laver. Tu peux peut-être aller aux toilettes. Voilà, tu vas aller aux toilettes et tu vas manger. C'est pas grave. On va essayer de faire le mieux pour ses besoins. Malgré forcément l'eau. Oh là là, coupure d'eau, quoi. Le pire truc qui peut arriver. Alors, j'ai invité tous ses amis à venir. Enfin, ses amis. C'est pas vraiment ses amis, mais voilà, quoi. Tu vas... voilà, on va t'aider à améliorer ta... Mais Jackie, j'en peux plus de Jackie. J'en peux plus de Jackie, j'en peux plus de Jackie. Il est squat, c'est génial. Et il fait vraiment yesh, ouais. Bon, Nami est en colère. On va essayer de pas trop lui parler. Et on va raconter des trucs sympas aux autres, parce que... Voilà, voilà. Mon amie, ça va pas du tout, quoi. Elle est vraiment en colère et tout. Ça va pas aider. Je pense que je vais la faire partir. Ça sert à rien qu'elle reste. C'est très dangereux pour mon challenge. Oh, la coupure d'eau est terminée. On va pouvoir se laver. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, alors, est-ce que je peux finalement donner mes clés, là? Ça commence à être chiant, cette histoire. Je peux toujours pas donner les clés. J'ai peut-être qu'une clé, en fait. Je sais plus à combien de personnes on peut donner maximum. Mais vous savez quoi? Je vais reprendre la clé de Jackie, hein. À un moment donné, c'est plus possible. Hein. En plus, il me laisse des verres partout, c'est n'importe quoi. Voilà, dégage. Et comme ça, à elle, je pourrais peut-être lui redonner. Eh, pas encore, en tout cas. Oui, donnez la clé d'appartement! Oh là là, il était temps, bon sang! Génial, je vais enfin pouvoir avancer, parce que depuis tout à l'heure, regardez la télévision communautaire. On va regarder... non, pas éteindre. Oh là là, je fais n'importe quoi. Regardez un film, non. Regardez la chaîne...
télévision communautaire. Oui, ok, c'est bon. Ah, ça y est. Et la chaîne Humour. On va enchaîner communautaire et humour. C'est ok, on passe à la chaîne Humour. On switch. On switch. C'est ok. Oh oui, j'aime le fait qu'elle ait une télé. Culture Monde. La télé, ça fait... c'est trop bien, en vrai. Il m'a encore cassé mes toilettes. Mais c'est pas possible, ce mec. Mais Jackie, casse-toi. J'en ai marre. Foucan de chez moi. Alors, elle veut faire un bonhomme de neige avec un autre Sims. Elle veut être malicieuse. Donc, elle va être malicieuse. Malice. Imiter des sirènes. Voilà. C'est pas très très grave encore, ça. Ok, ça marche. Je dois vraiment y aller. C'était sympa. Zut. Non, arrête avec la malice, ça suffit. Être encore malicieuse, faire un bonhomme de neige avec un autre Sims. J'aime pas que le fait que tu sois malicieuse. J'aime pas la malice, moi, perso, c'est très chiant. Tu vas inviter à une fausse soirée, voilà. Par contre, tu pues, ma pauvre, alors tu vas aller te laver. Voilà, petite douche rapide, magnifique. Comme ça, on va passer la journée d'après et tu vas aller dormir. Bon, bah, tant pis pour les autres trucs, hein. Moi, il me reste encore 7 minutes 50 pour ce challenge. On va essayer d'enchaîner les bonnes humeurs. Elle se lève, elle va donc prendre à manger, elle va également aller aux toilettes. Et on est bon pour une nouvelle escapade. Non mais Jackie, ça suffit. Foucan. Voilà, tu es au top, tu sais quoi, tu vas me prendre une petite douche méditative. On va peut-être voir de quoi tu auras envie après ça. Elle est heureuse, elle est heureuse, elle est heureuse. Oui, inspirée, oh là là. Oh, ça me rajoute des bonnes humeurs, ça c'est cool. Alors, elle veut quoi? Parler de ses rêves avec quelqu'un, faire une bataille de boules de neige et toujours les informations sur les vampires. Mais on n'a pas d'ordinateur. Bataille de boules de neige, bataille de boules de neige, on va faire ça. Il est quand même 9h du mat. Je sais pas si elle peut faire une bataille de boules de neige. Bataille de boules de neige avec Jackie et Nawaï. Allez, c'est pas grave. Tu descends, tu vas faire une bataille de boules de neige avec eux. Faut nous les valider. Et oui, c'est validé. Génial. Qu'est-ce qu'elle veut? Devenir joueuse. Et tu veux aussi parler de tes rêves à quelqu'un. Alors, mademoiselle, tu vas parler de tes rêves. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. On enchaîne, on enchaîne. Elle veut acheter un chevalet. Aïe, 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 aïe. On va acheter un chevalet. On va acheter un chevalet. Le chevalet, il est là. Et on va l'installer ici. Voilà, on va retourner... Oui, ça c'est bon. Elle veut acheter un instrument évidemment et devenir joueuse. Oui, 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 tu vas devenir joueuse. Tu vas faire l'imbécile et faire des blagues à cette jeune femme. Elle est pas mauvaise là, elle l'a pas envoyé bouler, mais bon, c'est toujours pas ça. Devenir joueuse, c'est pas encore ça. Hein. Faudrait qu'elle retourne à la maison en fait. Ouais, faudrait qu'elle retourne à la maison, regarder la chaîne Humour. C'est où la maison? C'est là. Allez, on y va. Tu vas regarder la chaîne Humour. Tu regardes ta chaîne Humour. Est-ce que tu peux devenir maintenant joueuse? Ce serait super. Tu peux pas encore faire de grimaces. Oui! Yes! Faire des grimaces devant le miroir, mais oui! Mais attendez! Non! Non! Un miroir, là! Un miroir! Faire une grimace, oui! Tant qu'elle meurt pas d'hystérie, moi ça me va. Il nous reste 4 minutes 30. Il faut qu'elle enchaîne. Oui, très joueuse, c'est encore très positif ça. Écrire des blagues, on n'a pas d'ordinateur. Dessiner un ange dans la neige. Voilà, en pleine rue, hein. On espère qu'aucune voiture ne passera. C'est ok, ça fait 15 points, c'est pas énorme. Tu veux regarder la télévision communautaire. C'est pas possible. Et il y a une télévision, la 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 la. Parti pour la télé communautaire. Non, Jackie, arrête, tu me saoules maintenant. Arrête de venir squatter. Et elle devenir malicieuse. Ok, super. Tu peux appeler Inaya et puis Thomas. Je pense que c'est des bonnes personnes. Ils seront sympas avec toi si tu les invites et si tu es malicieuse avec eux. Voilà, elle est de nouveau joueuse. Ça reste super positif. Tu vas être malicieuse. Donc malice, faire manger de la neige. Non, donner une bonne baffe. Voilà, hein, d'entrée de jeu. C'est vrai que se prendre une bonne baffe dès que tu viens rendre visite à quelqu'un, c'est très agréable. Oui, ça a marché en plus. Tu vas raconter une histoire dramatique. Qu'est-ce que tu veux faire avec Thomas? Discuter avec Thomas, c'est génial, c'est génial. C'est génial, tu vas discuter avec lui. Oui, 25 points de plus. Faire une imitation pour quelqu'un. On va faire une imitation pour notre ami Thomas. Tu vas faire une imitation. Ah non, il m'a aussi piégé les toilettes. Ça suffit maintenant avec les toilettes. Quel enfer. Allez, ça a marché. Elle veut faire quoi? Elle veut regarder Culture Monde et regarder la chaîne Humour. Et bah c'est reparti dans la télévision. Je vais les enchaîner tout de suite, ma cocotte. Allez hop, c'est parti. Tu m'enchaînes la deuxième.
plus on valide des souhaits, hein, mieux c'est. Et plus on a d'humeur positive, mieux c'est aussi. Elle ne valide pas. Ah, est-ce que c'est fini? Pardon. Oh, elle va être malicieuse de nouveau. Et regardez les nuages avec Thomas. Il me reste 2 minutes. Tu vas être malicieuse avec... Non, pas amour. Malice. Tu as invité une fausse soirée. Et tu vas aller regarder les nuages avec ton nouveau pote. Je n'ai pas regardé les nuages. C'est avec bonheur. Tu vas faire une conversation profonde. C'est pas grave. Tu veux jouer dans une flaque. Jouer dans une flaque. Mais j'en ai pas de flaque. Si, j'en ai des flaques. Je ne sais pas, j'ai pas de flaque. Mais c'est génial. Je vais sortir et discuter ici. Peut-être que pour regarder les nuages, ce sera mieux. Oui, je pense que ce sera mieux. Demandez de regarder les nuages. Ah si, vas-y. Non. Mais je veux pas que tu joues. Mais quelle idiote. Demandez de regarder les nuages. Je t'ai jamais demandé de jouer au basket. Allez. Ok, c'est bon. Oh là là, il reste 50 secondes. Tu veux faire quoi? Donner la clé de l'appartement. Oh, tu me saoules. Ta flaque et améliorer sa compétence malice. Jouer un tour avec la poignée de main vibrante. Voilà. Qu'est-ce qu'on se marre? Donner une bonne baffe. Allez, donner une bonne baffe. Et donner de fausses bonnes nouvelles. Elle est joueuse de nouveau. Tu vas faire connaissance et lui s'en va. Ok, tu vas rentrer. Rentre, c'est trop tard, ouais, enfin, je suis paumée. Non! Non! Elle est très mal à l'aise, mais pourquoi tu t'es mis en foutu? Oh, j'en ai marre! Bah oui, meurt de froid, bah tu m'étonnes! C'est bon, elle est joueuse de nouveau. Je sais pas, donne une bonne baffe. Voilà, améliorer sa compétence malice. Ah bah c'est fini! C'est fini. Ah, je suis dégoûtée qu'elle s'est mise en tenue de sport. Eh ben écoutez, ça va être... on va compter le point de satisfaction qu'elle a gagné. Elle a gagné 1040 points. C'est pas énorme, 1040 points, je vous le dis tout de suite. Et on va aller dans les statistiques de la Sims. C'est ici. Et on va compter le nombre de fois qu'elle a été dans une humeur positive et négative. On va ajouter et soustraire tout ça. Inspirer une fois... Joueuse 8 fois, ça c'est super. Mal à l'aise 4 fois, mon dieu. Oh là là, ça fait très peu de points tout ça. Ça fait très peu de points. La première fois que j'ai fait ce challenge, j'avais gagné énormément de points. Mais là, c'est horrible. Alors en négatif, nous sommes à 4 plus 2, ça fait 6. En positif, nous sommes à 5 plus 1 plus 8. Voilà. Bah déjà, ça fait 6 annulés, ça fait donc ça fait 8. Ça fait 8 fois et on va multiplier les 1040 points x 8. C'est ridiculement nul. Il me semble que la première fois que j'ai fait ce challenge, j'avais fait un score de 100 000 points. Plus de 100 000. Là, je vais être à 8 000. C'est nul. C'est très nul. 1040 points x 8, ça fait un total de 8320 points. C'est ridicule. C'est nul, mais je vous invite quand même à faire ce challenge de votre côté. Il vous demandera quoi? Une demi-heure, 35 minutes, et ça peut être très fun. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, surtout partager pour me faire connaître. Et je compte sur vous là-dessus. Et on se retrouve pour très vite pour une autre vidéo, challenge ou autre. Des bisous, très bientôt, salut!